Je suis le fondateur de la société Bion, une société qui développe des objets connectés à très forte valeur ajoutée. Un de nos premiers produits, le Bion i1, est un tracker GPS qui a une autonomie de plusieurs années et qui est conforme des exigences du transport aérien. Avant de venir à Toulouse, j'habitais à Hong Kong et j'avais beaucoup de clients en France et en Europe. Et j'ai décidé de revenir en France et spécifiquement à Toulouse parce que c'est l'écosystème parfait, l'alliance des compétences IoT avec notamment l'IoT Valley chez qui je suis hébergé et l'écosystème aéronautique qui est une industrie clé pour notre entreprise. Alors Invest in Toulouse a accompagné Bion dans notre contact avec l'écosystème toulousain, notamment avec l'IoT Valley. Et ça nous a permis d'accélérer notre implantation et nos contacts avec les partenaires locaux et notamment de faire en sorte que notre produit soit plus rapidement disponible et soit plus rapidement accepté par les premières compagnies aériennes, notamment Swiss World Cargo. Donc j'étais venu de Hong Kong pour m'installer à Toulouse et lancer l'entreprise, mais le premier projet pour lequel j'étais sollicité était à Singapour. Donc notre produit va être certainement accepté prochainement par une compagnie singapourienne, mais c'est très important pour nous de tout de même être à Toulouse parce que notre produit a ambition d'être accepté par plusieurs compagnies aériennes et donc c'est crucial pour nous d'être dans cet écosystème-là qui est bien représenté par l'IoT de Toulouse et l'aéro à Toulouse.